Everyone was sitting in Baba's love and remembering Baba. So taking that love remembrances. Alors, je suis allée voir Baba, j'ai apporté votre souvenir et votre amour. Baba a donné un drishti très, très aimant à chacun. Et ensuite, Baba m'a donné le drishti. Ensuite, il a demandé, est-ce que vous êtes tous heureux? Qu'est-ce que je dois dire? Bien oui, je suis heureuse. Il s'est retourné, il a demandé à chacun. Et je pense que la plupart de vous, vous avez dit, oui, Baba, je suis heureuse. Alors, Baba a dit, alors j'ai dit à Baba, je t'ai apporté Bog, il a apporté Bog. Bon, les âmes sont dans le bonheur, mais est-ce qu'elles sont aussi dans le contentement? Alors, qu'est-ce que je devrais répondre? Est-ce que c'est le contentement? Oui, le contentement. Laissez-moi voir vos mains. Levez la main, c'est le contentement. Donc, Marina, tu m'entends bien? Baba dit que si vous vous souvenez toujours que le faiseur de fortune, c'est Baba. Et Baba, non seulement il vous guide, mais il vous donne aussi sa compagnie. Et vous devriez avoir la conscience que je joue mon rôle et que ce rôle m'a été donné par Baba. Non seulement que je joue mon rôle, mais que le rôle que je joue m'a été donné, transmis par Baba. Baba prend soin de chacun des enfants. Alors j'ai regardé Baba, j'ai dit, t'as tant d'enfants, comment est-ce que tu fais ça? Baba a dit, parce que chaque enfant a une connexion avec Baba. Donc, tous ceux, les âmes sont connectées avec le pouvoir, ils sont connectés aussi à travers le drama. Tous ceux qui sont connectés avec Baba, il va leur donner le pouvoir, va les guider. Donc, ce n'est pas la question qu'il y ait trop d'enfants. Les enfants n'ont seulement qu'à avoir la connexion avec lui. Donc, ils n'ont qu'à me penser à moi, m'aimer tout en faisant du karma yoga, tout en faisant du karma yoga, de faire de moi leur compagnon. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Alors, lorsque vous avez cette connexion avec Baba, ensuite Baba prend soin de chacun. Et Baba dit, la plupart des enfants portent attention. Donc, ils gardent leur connexion avec Baba, mais quelquefois, non? Quelquefois, cela arrive que la connexion se brise. Alors, j'ai regardé Baba, j'ai dit, Baba, comment est-ce que la connexion peut se briser? Baba dit, si l'intellect et l'esprit sont influencés par les situations, quelles qu'elles soient, et que que la pensée de cette situation revient constamment dans votre esprit, alors la connexion avec Baba est perdue. Rappelez-vous toujours que tout ce qui arrive dans le drama est bénéfique. Et aussi, vous souvenez-vous toujours que Baba me regarde, que Baba est avec moi. Même si vous ne le ressentez pas, mais pensez de cette façon. Et ensuite, vous allez voir combien activement Baba joue ce rôle avec vous
Et dans cette vie de bon augure dont Baba prend soin, Baba nous soutient. Et Baba dit, plus vous progressez, oui, il y aura différentes formes où vous aurez vos pouvoirs et vos vertus qui seront testés. Ah, je peux penser que j'ai beaucoup de patience, mais peut-être 80% de patience, mais les circonstances vont faire, sont telles qu'elles vont, elles vont vraiment tester votre patience. Et je veux dire, peut-être, je vais me dire, oh, j'étais un petit peu irritée. Donc, il y a un certain pourcentage qui a été laissé de côté. Donc, ce n'est pas 100%. Les scènes du drama vont arriver pour faire de vous 100% dans chaque vertu. Et c'est à travers vos pensées. Si vous avez des pensées perdues, donc votre intellect va le reconnaître que vous perdez un petit peu la voix. Donc, ce qui arrive, vous ne devriez pas être concerné, perturbé, juste porter attention et aussi augmenter mon pouvoir de tolérance. Quel que soit le pouvoir que vous trouvez qui est moindre dans le pourcentage, ça veut dire que vous avez des pensées qui sont gaspillées. Alors, portez attention immédiatement et commencez à accumuler ce pouvoir. Baba dit, vous êtes connecté. Alors, Baba continue de donner l'amour, la lumière, le pouvoir, de continuer de prendre tout ce que vous pouvez de Baba. Et rappelez-vous toujours que tout ce que je fais, Baba m'a donné ce rôle à jouer. Alors, jouez-le avec bonheur et avec contentement. Baba a donné beaucoup d'amour, de souvenirs. Et aussi, pour tous ceux qui ont offert beaucoup d'amour spécial, un amour spécial de Baba pour chacun d'entre vous qui avez offert beaucoup. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika qui nous souhaite la bienvenue et joyeux Satgurwa. Donc, c'est le premier jour de juillet, notre nouvelle série, premier jour. Love is lovely. L'amour, c'est le pouvoir. L'amour de Dieu est unique. Maintenant, nous allons écouter Moïne et Didi sur ce sujet. Om Shanti. Om Shanti. Do you all like this topic? Est-ce que vous avez tous aimé ce thème? Because oui, c'est très beau comme thème. Parce que mes pensées étaient que oui, c'est important d'utiliser l'intellect et d'absorber tous les devoirs que nous avions à faire. Mais c'est le mois de juillet. Et c'est le mois de Didi Manmohini. Et sa spécialité spéciale, c'était son niveau Loveline. Et ce niveau, c'est lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup d'ivresse, une ivresse spirituelle. Alors Didi, nous l'appelions toujours Gopi. Il y a l'histoire que les gopis, aussitôt que Sri Krishna continuait à jouer la flûte, le murli, elles accouraient, il y avait beaucoup, beaucoup d'ivresse. Alors, c'est la même chose avec Didi Manmohini. Elle avait tant d'amour pour le murli. Elle, toujours, lorsque vous la regardiez, vous pouviez ressentir d'après ses yeux qu'elle était dans son niveau loveline, donc ça veut dire qu'elle était fondue dans l'amour de Baba. Et vous pouviez aussi le ressentir à travers sa personnalité, son caractère, son amour de Dieu.
Alors, j'ai pensé que tout comme Didi Manmohini était très attentif et très sérieuse dans ses efforts, mais de notre côté, elle était beaucoup dans la joie au-delà des sens, très, très légère. Elle était vraiment joyeuse et joueuse aussi. Elle avait beaucoup d'humour. Mon expérience avec Didi Manmohini, ça vient de Delhi, c'est lorsque j'étais à Delhi. Parce que c'est là que j'ai pris une essence spirituelle et elle était de sens ma première mère spirituelle, non pas qu'elle m'a donné le cours, mais c'est elle qui soutenait tous les centres à Delhi. C'est ce que j'ai vu et que j'ai vraiment vécu naturellement. Toutes les fois que je l'ai vue, toutes les fois qu'elle s'assoyait avec nous, elle prenait de nos nouvelles. Bien sûr, elle prenait soin de savoir si nous comprenions tout ce que Baba disait. Deuxièmement, que nous comprenions aussi toutes les directives de Baba. Et troisièmement, à propos du service, que nous faisions ce que Baba veut que nous fassions. Elle était très disciplinée avec cela, très disciplinée avec nous. Elle était très aimante aussi. Alors, lorsqu'il y a de l'amour, et nous avons parlé que l'amour, c'est le pouvoir. Lorsque la confiance en soi grandit, c'est lorsque quelqu'un peut vous aimer et comprendre comment vous êtes. Parce que la plupart du temps, ça prend beaucoup de temps et quelquefois, la peine reste dans quelqu'un qui se dit, il n'y a personne qui a essayé d'apprendre à me connaître et de comprendre mes besoins, de comprendre comment je suis. Alors, Baba nous parlait de bonheur pour chacun. Un des bonheurs, c'est lorsque j'ai de l'amour pour l'âme et que je comprends cette âme. Parce qu'ensuite, vous pouvez avoir une relation à long terme. Si je suis demeurée avec des âmes depuis plus de 40 ans, et même s'il y a une grande différence dans les sanskars, mais profondément, nous savions, nous comprenions ce que Daddy Janki disait, l'intention ou la bhavana de cette âme. Et je pense que chacun de nous avons beaucoup d'amour pour Baba, beaucoup d'amour pour le service, mais c'est la bhavana. Je pense pas que quelqu'un ait quelque chose d'autre que ça, mais cette bhavana est exprimée de différentes façons. Ça peut être différentes opinions, différents sanskars, différentes façons de faire les choses, mais il n'y a pas vraiment de différence, n'est-ce pas? Mais comme j'ai dit, j'ai remarqué que chacun a la capacité de l'intellect. Quelqu'un, vous leur dites quelque chose, ils comprennent immédiatement. Et d'autres, ils veulent comprendre. C'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre. Il leur prend un peu plus de temps pour que leur intellect et leur esprit l'acceptent. Alors, je ressens que dans la vie, lorsqu'il y a l'amour de Dieu, alors je suis loveline et autrement, je suis aimante. Je suis remplie d'amour dans le sens où je comprends l'intention et les sentiments. Donc, il faut créer de bonnes
des relations spirituelles tout en travaillant ensemble. Parce que c'est les deux, non? Donc, l'un, c'est d'avoir des relations aimantes, mais lorsque vous devez faire des choses ensemble, le service, les projets de service, n'importe quelle sorte de service que vous devez faire, il doit y avoir beaucoup de compréhension. Et je pense que s'il y a cette nature d'être fondu dans l'amour de Baba dans vous, lorsque vous vous fondez dans cet amour, donc vous êtes empli d'amour. Et avec cette compréhension, vous créez vraiment de très, très belles relations avec chacun. Sachant que l'intention de chacun est bonne. Et j'ai expérimenté personnellement avec beaucoup d'âmes. Je peux travailler avec n'importe quelle âme, n'importe qui, mais quelquefois, ça prend un peu plus de temps, c'est plus difficile. Mais juste comprendre cette personne. Il y a deux choses. La première, c'est que chacun sur ce pèlerinage rencontre, ont de différents sanskars, différentes manières de penser. Et deuxièmement, encore, c'est que chaque âme essaie de comprendre. Alors, quelque part, vraiment profondément, avec cette qualité de compréhension, la compréhension de tout. Alors, je pensais à Brahma Baba, bien sûr. Comment il comprenait si vitement ce que Shiv Baba lui disait? Parce qu'il a compris, il a été capable de suivre. Donc, c'est de là que la Shrimati est venue. Shiv Baba. Donc, Brahma Baba a commencé à suivre Shiv Baba. Donc, essayer de comprendre quelle sorte de compréhension il pouvait avoir entre les deux. Un, c'est qu'une personne comprend et le fait. Lorsque la personne le comprend, elle le fait. Donc, ça fait des. Il y avait une si belle relation entre Shiva et Brahma Baba à cause de l'amour. L'amour, ce n'est pas que je t'aime, mais ensuite, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est beaucoup plus que cela. Et c'est de connaître cette âme, de la comprendre. Et ensuite aussi, un peu plus tard, maman a regardé Brahma Baba. Et maman était vraiment fondue dans l'amour de Baba. Elle se souvenait de Baba toujours, elle pensait à Baba, elle parlait de Baba. Parce que si vous êtes fondue, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Même si elle était dans ses tâches de faire du karma yoga, penser à tous les départements du yoga, mais elle était toujours en train de penser à Baba. Mais elle était capable de suivre Baba. Donc, comprendre et ensuite suivre. Baba dit suivre le Père. Et Baba donne deux choses très, très simples. Lorsque vous allez suivre Baba, ce qui va arriver, c'est que tout le monde va avoir de l'amour pour vous. Et ensuite aussi du respect pour vous. Seulement deux choses très simples, n'est-ce pas? Tout le monde va vous aimer et vous respecter. Donc, depuis ce matin, je pense que c'était dimanche dernier, j'ai vraiment ressenti que c'est vrai. Donc, vous n'avez pas d'attente, mais tout le monde, si je veux que tout le monde m'aime, je dois être dans ce niveau de loveline, d'être fondu dans l'amour. Et lorsque je comprends que chacun, quelle que soit leur personnalité, ils ont besoin d'avoir ça pour leur propre rôle.
Si je dis à quelqu'un, non, tu ne peux pas faire cela, tu ne devrais pas faire ça, faire ceci. Mais son rôle a besoin de ses qualités et de ce caractère. Alors, ce que je fais, je sers que cette personne ait à me dire les choses de telle façon ou faire les choses de telle façon, je dis toujours OK. Et sa personnalité va aussi. Je n'écris pas le rôle de chacun, donc elle joue son rôle avec sa personnalité. Je demeure observateur détaché, à moins que quelqu'un est vraiment incorrect, ou donc je dois lui dire de le faire de la bonne façon. J'ai toujours pensé que c'est quelque chose vraiment qui vient du cœur. Ce n'est pas seulement à travers l'intellect que j'aime quelqu'un. Mais selon le drama, quelle que soit l'âme qui vient en contact avec nous, il y a une signification là-dedans. Je dis toujours à tous, personne est là pour toujours, pour quoi que ce soit. Donc, soyons ensemble, très sensibles lorsque nous regardons le passé, que nous nous disions, ah, combien c'était extraordinaire. Donc, chacun a son rôle à jouer. Et quelquefois, cela arrive que peut-être une personne a moins de patience. Et peut-être que... Donc, j'augmente ma patience avec cette âme aussi. Et c'est bien sûr que c'est le service éternel, pas éternel, le service intérieur, dont le service par l'esprit. Donc, chaque qualité qui vient en chacun de nous, d'être leveline, c'est de comprendre le soi. Même de comprendre moi-même. Pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être très calme, d'être paisible et d'être bonne, d'être gentille. Si je fais cela, je suis très, très heureuse. Je suis contentée, mais si je ne le fais pas, je ne m'aime pas lorsque je deviens irritée ou lorsque je perds patience. Parce que je ne veux pas être ce que je n'aime pas de moi-même. Alors, lorsque vous savez exactement et que vous vous sentez bien avec vous-même et que vous gardez ce niveau et que vous savez qu'il y a toujours quelque part des énergies qui sont combinées ou complémentaires. Quelqu'un est très calme, l'autre est un petit peu plus forte, mais peut-être que c'est nécessaire. Parce que si nous avons tous des rôles à jouer, nous avons différentes caractéristiques, différents traits de caractère. Alors, comprendre dans ce niveau loveline, donc fondu de l'amour et aimant, et que vous vous connaissez vous-même, alors vous harmonisez ensuite avec les autres. C'est une grande chose que d'harmoniser. Et aussi, c'est facile si vous pensez aux qualités qui sont requises pour le faire, pour être complémentaire avec l'autre qui joue son rôle aussi. Parce que n'importe quelle sorte de manque de contentement pour une autre âme peut les amener avec un peu de colère, mais ce n'est pas moi.
Ce sont les sanskars de cette âme. Et plus nous comprenons, lorsque nous réalisons, donc plus nous comprenons, la réalisation vient, il y a le changement. Donc, être lovely, c'est d'être aimante. Et aimante, ça veut dire comprendre chacun. Je me rappelle que Daddy Janky choisissait qui va traduire lorsqu'elle parlait. Alors, plusieurs fois, je m'assoyais, je disais, OK, il y en a tellement. Alors, je m'assoyais en arrière, elle disait, non, viens, viens, à côté de moi. Tu comprends, Maître Davna, donc ta traduction va être précise. Ce n'était pas une question de langage. C'est ce qu'elle ressentait, si elle avait besoin de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle voulait dire. Comme moi. Et aussi, elle dit, oh, il y a une nouvelle là. Elle disait, c'est pas grave, je vais le dire. C'est à cette âme de prendre ce que j'ai à dire. Elle était attentive, mais pas tout le temps. L'âme qui traduisait, je crois. Alors, j'espère que ça devient plus clair que dans l'âme, dans l'amour, nous commençons à comprendre et à harmoniser et nous sentir toujours que si je dis, tu n'as pas de patience, donc on dit, j'ai de la patience, tu n'as pas de patience. Donc, nous partageons de façon physique. Pourquoi ne pas partager nos pouvoirs au lieu de dire, il n'a pas de patience. Donc, je perds aussi ma patience en disant cela. Donc, je me dis, ayons de la patience. La compréhension va nous aider à suivre aussi Baba. Parce qu'intérieurement, je vais savoir ce que Baba dit, pourquoi il le dit. Alors, lorsque j'ai dit Loveline, ce n'est pas comme lorsque vous êtes Loveline, vous êtes dans l'ivresse spirituelle, mais ici, ce que j'ai voulu dire, c'est que vous vous absorbez dans l'amour de Baba. Et donc, ensuite, vous êtes aimante, vous êtes emplie d'amour. Et lorsque vous êtes emplie d'amour, ensuite, vous prenez soin de l'autre, vous partagez avec l'autre. Mais la chose la plus importante, comme pour moi, je sais que les autres âmes comprennent, peut-être à 80 % ou peut-être 70 %. Et ensuite, vous essayez donc tous ces aspects de compréhension, c'est très, très important. Les gens disent, nous nous connaissons depuis si longtemps, mais jusqu'à quel point est-ce que nous nous connaissons vraiment? Mais c'est l'amour de Baba. Avec l'amour de Baba, automatiquement, vous ferez sentir ce que vous devez partager avec les autres âmes, ce qu'elles ont besoin spirituellement. Alors, c'est une des qualités importantes, de pouvoir important, quel que soit le nom que vous lui donnez, la compréhension. La compréhension de la connaissance, c'est facile, mais la compréhension même du drama. Baba dit que même pour comprendre le drama, on devrait avoir ce niveau aimant, un niveau. Donc, voilà mes pensées, bien sûr. Nous allons expérimenter l'amour de Baba plus, nous allons l'expérimenter plus tout cela sera clair de comprendre le pouvoir de la compréhension. Om Shanti.
Om Shanti, c'est Bhumika. Merci Didi. Bon partage. Maintenant, nous allons faire le voyage à Viac avec nos ancêtres. Donc, les mémoires très rares des expériences avec maman. Du Yaya. C'est Daddy Manmohan Indra. Il dit, Shiv Baba, l'incorporel, est entré en lui et cette entrée était incognito. Cependant, les vertus de l'incorporel sont devenues corporelles par le comportement de Baba. Ce qui est arrivé à Baba est devenu évident. Baba n'était pas comme ça avant. Les enfants pouvaient voir l'unicité, la divinité, la pureté de Baba, à partir desquels nous avons compris qu'il s'agissait d'une autre personne, pas une personne ordinaire. C'est Dieu en face de nous. C'est Dieu qui parle comme ça. Venez, doux enfants, venez, les enfants charmants. Aucun humain ne peut dire cela autre que Dieu. Il y avait tant de force dans les mots de Baba et de pureté dans ses interactions, tant de puissance. Il s'adressait aux jeunes et aux vieux comme à de doux enfants. Il s'adressait aux jeunes et aux moins jeunes en les appelant doux enfants. Vous le dites peut-être une fois à un petit enfant, mais le dire à tant d'enfants tous les jours en leur enseignant depuis le Murli. Seul le Père unique est l'océan d'amour. Celui qui donne de l'amour, qui comble et qui dit constamment « doux, doux » et qui rend tout le monde doux. Toutes les ordures qui étaient en nous ont été éliminées par les mots doux de Baba. J'ai vu ce Baba. Et j'ai senti que nous nous étions déjà rencontrés auparavant. Où nous sommes-nous rencontrés? Comment nous sommes-nous rencontrés? Je continuais à observer ce sentiment intérieur que nous nous étions rencontrés de nombreuses fois auparavant. C'est pourquoi de nombreux enfants s'accrochaient à Baba. Ils ne voulaient pas le lâcher. Baba leur tapotait le dos en disant, « Mon enfant, tu as reconnu le Père maintenant, n'est-ce pas? Tu as atteint le Père, n'est-ce pas? » Il disait cela et essayait de se détacher. « D'accord, mon enfant, nous nous rencontrerons à nouveau. » Mais une fois que Dieu a été trouvé, qui va le lâcher? Alors chaque jour, une âme ou une autre s'accrochait à lui. Il ne se séparait pas. Et toute la nuit, il restait dans cette ivresse. Il ne se souciait pas, du monde. Il ne se souciait pas des gens. Il ne se souciait pas que les gens, ce que les gens disaient. Les gens ont commencé à penser que nous étions fous. Quiconque va à Om Shanti, Om Mandali devient fou. Il nous regardait avec cette vision. Il nous montrait du doigt. Regardez, c'est l'un d'entre eux. Comme si nous avions fait quelque chose de terrible. Mais nous n'avons pas laissé leurs paroles nous affecter, même un peu. Ils nous disaient, « Vous êtes fous! » Et nous entendions que c'était eux qui étaient fous. Vous ne comprenez pas qui nous avons trouvé. Nous avons reconnu le Père et nous ne le lâcherons pas. Vous pouvez crier, vous pouvez nous battre, vous pouvez nous empoisonner. Faites ce que vous voulez. Nous ne bougerons pas. Nous ne bougerons pas d'un pouce. De l'âtre du foyer de Baba.
अतिंद्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए हमको ना भूले भुलाए हमको ना भूले महकते फूल है अब भी यादों की इन किताबों में महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में आपकी याद आते notre devoir pour demain. Et ensuite, nous allons nous asseoir en méditation tous ensemble. Elle va nous guider avec un commentaire. 5 minutes de méditation. Et c'est tout. Welcome, Sister Shireen. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Om Shanti Didi, c'était vraiment une très, très belle classe et un beau partage. J'ai aimé ce que tu as partagé, que d'être loveline veut dire être aimante et aimante veut dire de comprendre. Alors, j'y pense depuis que tu l'as dit et je porte attention à ce que Didi Manmohanar disait, mais donc la compréhension demande de la bhavana et demande aussi de suivre Baba avec cette compréhension. Alors, c'est pour demain. God's love. L'amour de Dieu restaure la dignité. Alors, c'est pour demain. L'amour de Dieu restaure la dignité. Moi, l'âme, je sens que ma dignité originelle est restaurée grâce à l'amour de Dieu. Je redeviens de l'or. Alors, basé sur moi, l'âme, je sens que ma dignité originelle est restaurée grâce à l'amour de Dieu. Je redeviens de l'or. Alors, si vous voulez tous vous asseoir confortablement avec votre dos bien droit, prenez une bonne respiration. Et rappelez-vous quelque chose que Didi a dit. Que de connaître, c'est d'aimer. Et que d'aimer, c'est de savoir, c'est de connaître. And in addition to that, love is also detachment. Et ajoutant à tout cela, l'amour, c'est aussi le détachement de notre rôle, de ma liste à faire, de mon corps, de mon nom. And gently visualize yourself rising et tout doucement, ressentez vos yeux qui s'élèvent loin de tout ce qui se passe autour de vous et vous retournez à votre niveau éternel dans le monde des âmes. Vous êtes maintenant à ce niveau d'être une âme, juste une âme, un être de lumière avec Baba ici dans ce monde des âmes. La vision de Baba est sur vous.
And as you absorb Baba's love and light, et lorsque, en même temps que vous absorbez sa lumière et son amour, tout en absorbant tout cela, vous commencez à vous fondre dans l'amour avec Baba. Graduellement and gently, et lentement, doucement, vous vous élevez vers un niveau fondu dans l'amour, l'ovnine. In this stage, et dans ce niveau, you remember, vous vous souvenez, memory of love, ces profonds souvenirs d'amour, and it is coming to the surface, et ces sentiments, ces souvenirs émergent à la surface. Vous vous souvenez de l'amour de Baba pour vous, and you're becoming lovely, et vous devenez Emma. Your understanding, votre, vous comprenez l'amour de Baba pour vous, la bhavana de Baba pour vous. And you know, et vous savez, that this is going to lead you to follow him. Et que cela va vous mener à le suivre. Following Brahma Baba in our actions. En suivant Brahma Baba dans nos actions et Shiv Baba dans nos pensées. Again, I go back. Encore et encore, je retourne. To being merged in love with Baba. Dans ce niveau d'être fondu dans l'amour avec Baba, dans ce niveau, Loveline, je prends quelques instants juste être. This is activating your bhavana for everyone. Ce niveau, cette expérience réactive votre bhavana pour chacun et votre compréhension pour les gens. Baba as vous commencez premièrement par comprendre Baba, ce qu'il est. Vous êtes si aimant que vous comprenez Baba. And with this powerful thought, et avec cette pensée puissante, to here and now, vous revenez dans l'ici et le maintenant. Shanti. Om Shanti.